Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se faire une vidéo à la cool. Je vais vous faire faire un tour de terrain parce que c'est vrai que en fait je l'ai fait je pense au début de cette chaîne là. Ceux qui avaient suivi les autres chaînes avant, j'en avais fait aussi, mais bon voilà. C'est pas pour tout le monde, enfin tout le monde n'a pas suivi ça, donc on va se faire un tour du terrain rapide pour tout ce qui est le terrain qui est juste fauché par l'agriculteur, et ensuite un peu plus pointilleux pour les deux terrains. On va passer par la forêt comestible et ensuite par le terrain à côté de la maison. Allez, c'est parti. Donc voilà, nous sommes là, on est au bout du terrain, c'est à dire que ça, c'est le chemin communal. Ça, c'est le chemin qui rentre chez moi. Et hop, ça, c'est l'autre, le chemin communal, ce que je viens de vous montrer. Vous comprenez pourquoi quand il pleut, je ne peux pas forcément passer. D'abord parce que ça monte un peu. C'est pas non plus une grimpette énorme. Hein, mais ça monte un tout petit peu. Mais c'est surtout pas du tout encaillouté. Alors moi, quand il y a des... Quand il y a des rigoles qui se forment, je mets des cailloux, comme ça, ça permet d'avoir les pneus qui ne ripent pas. Mais bon, c'est vrai que c'est pas simple d'y passer. Donc, voilà ce qu'on voit. Hop, quand on est au bord de mon terrain. Et donc, on va rentrer par là. Voici. Donc ça, ce bosquet est à moi, et puis voilà, donc là c'est une partie du champ qui est fauché par l'agriculteur. Donc là je sais plus, il doit faire presque 2 hectares celui là en fait, parce que comme j'ai pris la forêt comestible un peu dessus, c'est un peu c'est peut-être un peu moins. Donc voilà, ça c'est toute la haie. Alors je sais pas si vous la voyez bien là, moi je la vois, mais peut-être c'est un peu c'est un peu décalé, que j'ai planté depuis plus de 10 ans. C'est pas simple, hein, mais bon, il y en a qui sont quand même assez grands. Hein. Il y a des arbres là-bas, c'est pareil. On continue, on va aller jusqu'au bosquet là, parce que ce bosquet, c'est là où j'ai mes ruches. Voilà, on arrive au bosquet où j'ai les ruches. Voilà, bon, attention abeilles. Et les ruches sont là, on va aller les voir. Elles sont là, vous voyez les toits, là. On va faire le tour. Donc là, c'est le chemin qui continue. Là-bas, il y a ma voiture. C'est le chemin qui continue et qui arrive jusqu'à la maison. Là, on va faire le tour du bosquet pour aller voir les ruches. Alors oui, les ruches, je les ai mis dans un bosquet exprès parce que c'est vraiment, vraiment l'endroit. Ici, il fait très chaud en été. Ça peut dépasser les 40 degrés. C'est arrivé là les années où il a fait très chaud que ça dépasse les 40 degrés sur 15 jours, 3 semaines quoi. Donc c'est énorme, hein, c'est vraiment donc voilà, on arrive aux ruches. Hop, mesdames les abeilles. Donc ça c'est ma ruche, ce que j'appelle ma ruche piège en fait, hein. C'est la ruche dont je me sers pour capturer les essaims et que j'ai mis là avec des j'ai mis avec des cadres qui sont déjà bâtis et tout ça. Ça c'est mes ruches, pouf, les 5 là. Et celle-là, c'est la ruchette dont je dois me servir pour faire l'essaim pour le pote dont je vous ai parlé. Voilà, voilà, et que je vous montrerai la vidéo. Mais en fait, je vais faire l'essaim normalement aujourd'hui. Je suis en train de me demander si je vais y arriver parce qu'en fait, il y a quand même un petit peu de vent. Je sais pas, il doit être à 40 km/h à peu près ou 30. Donc j'aime pas trop ça, mais bon après il va pleuvoir, donc ce sera pas mieux. Hein. Je pense que ce sera le mieux aujourd'hui. On va voir. Je vais voir ça. Donc elles sont super bien là. En hiver, il n'y a pas les feuilles. Donc en hiver, elles reçoivent le soleil. Et en été, il y a les feuilles, donc c'est parfait. Et là, elles ont le soleil du matin. Là, il est. Si il est midi moins 10. Hein, mais elles reçoivent le soleil de hop, est-ce qu'on voit mon doigt, je sais pas, par là arrive le soleil le matin, et là en fait il doit être par là le soleil,
Donc voilà. Donc maintenant, hop, on est aux ruches. On vient de là-bas. Hein. Là-bas, c'est l'entrée. Là, il y a tout le terrain qui est fauché. Et on va aller là-bas, à l'étang. Bon, il n'y a pas beaucoup d'eau, hein, mais il y en a quand même un peu. On va traverser tout le terrain, on va à l'étang. Et là, c'est la forêt comestible. Et ma maison, elle est... on voit pas, en fait. Elle est au-dessus de ce truc. On voit peut-être un peu le toit. Et voilà, on arrive à l'étang. Donc il y a de l'eau, un peu, mais pas énormément, quoi. Donc voilà, de toute façon, j'ai mis les tuyaux là qui sont là. Hop. Ce tuyau là qui vient du toit là, je ne l'ai mis qu'il y a, ça fait quoi, 3 semaines, quoi, un truc comme ça. Et en plus, il me manque un bout, donc un 4 mètres. J'ai mis juste ça, qui est un peu plus grand que les autres, parce que pour pas que l'eau se perde. Mais j'aimerais bien que ça aille jusque là, en fait, jusqu'à ce que ça retombe. Et là, ça irait encore mieux. Et après, changer carrément le toit, parce que ce toit-là, il est vraiment trop petit. Donc voilà, pour ce qui est de l'étang. Maintenant qu'on est à l'étang, donc on venait de là-bas. Les abeilles sont dans ce bosquet là-bas. Et l'entrée, elle est là-bas. Voilà. Donc on va remonter et on va aller, hop, à la forêt comestible. J'espère que je vais pouvoir passer parce qu'il n'y a pas de porte. En fait, c'est juste des fils. Donc il faut que j'arrive à passer au travers. Donc voilà. Ou alors je vais passer par... je vais aller faire le tour, moi. Vous n'allez pas le voir, mais moi je vais aller faire le tour là où il y a vraiment une porte. Et la maison, elle est là. Vous la voyez là maintenant. Voilà, en fait on était là. Et au lieu de passer par là, j'ai juste fait le tour par le petit chemin et je suis arrivée là. Voilà, on arrive à la forêt comestible. Qui est visitée quand même par les chevreuils. Il n'y a pas beaucoup, mais un peu. De temps en temps, ils bouffent des trucs. Parce que je pense que la porte n'est pas assez haute. Donc il faut que je rajoute des bouts, je pense. Et même les... Même le grillage, quoi. Mais bon, après, c'est pas, ils bouffent pas les écorces ni rien, donc ça va. C'est juste les petits. Je pense que c'est les chevaux, les petits. Je pense que c'est les jeunes qui viennent sans s'en rendre compte, mais les vieux, je pense qu'ils y viennent pas. J'ai souvent vu un jeune, mais pas plus. Allez, sésame. Hop, ouvre-toi. Donc là, dans cette forêt comestible, alors j'ai mis énormément d'arbres que j'ai semés, moi. Donc là, en fait, des deux côtés, il y a des pêchers. Pêchers ou brunonniers. Hein. Alors là, moi, quand je mets, je ne fais pas la différence. Il y en a qui sont morts. Et là, il y en a un qui est en train de mourir. Et ça me fait encore de la peine. Donc, il faut que je vois ce qu'il a fait. Là, j'ai voulu casser une branche pour voir, elle est sec, quoi. C'est un plaque minier encore. Là, c'est vraiment très dur pour moi parce que j'arrête pas d'en planter, en fait. Et pourtant, je mets des fosses de sable, quoi, pour amender la terre. Enfin, pour pas amender, pour alléger la terre. Donc voilà. Donc, je vais pas vous dire tous les arbres qu'il y a parce que sinon, la vidéo n'en finira plus. Là et là-bas. Il y a deux oliviers qui sont en train de repartir. Je suis trop contente parce que j'ai cru qu'ils étaient morts. J'en avais trois en fait, oliviers. Là, il y en a un, mais lui, il est mort par contre. Si, je vais vous montrer quelque chose. Bon, là, j'ai planté des teigs. Il y a la mélisse qui a pris un coup de froid. Elle est bien gelée là, mais bon, c'est normal. Donc là, j'ai planté ce que des fois, je ne voulais pas trop dans le jardin. Donc il y a la mélisse et il y a de la rhubarbe. Et je vais vous montrer. Donc ça fait 2 ans. 2 ans et demi. Ça va faire 2 ans et demi en fait qu'ils sont là. Et je vais avoir mes premières amandes. Donc sur celui-là, il y en a quand même beaucoup. Il y en a pas mal. Il y en a là.
Et sur celui-là aussi, un peu moins sur celui-là. Celui-là, c'est Texas. Et elles sont moins grosses d'ailleurs. Hop, mais il y en a quand même. Et après, ça monte en fait jusque là, jusqu'au chemin. C'est-à-dire qu'en fait, les ruches étaient là. On a le chemin qui descend là pour aller jusqu'à la maison. Là où il y a la voiture et tout ça. Et ça va jusqu'au chemin. En fait, je l'ai fait en deux parties. Une première année, en fait, j'ai fait ça. J'ai planté ça. Et d'ailleurs, il y a plus de choses peut-être qui ont pris là. Je ne sais plus. Remarquez, il y en a moins qui. J'ai moins planté là. Et la deuxième partie, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a encore le grillage, mais ça il faut que je l'enlève, c'est idiot d'avoir un grillage en plein milieu. Au départ je voulais laisser pour mettre des plantes grimpantes, mais bon ça va, il y en a tout autour déjà, je pense que ça suffira, et je mettrai autre chose que du grillage qui est pas très 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 joli quand même. Donc et après ça va jusque là, là où on était tout à l'heure. Ah oui, il y a deux noyers, parce qu'ici en fait c'est vraiment un pays où il y a beaucoup de noyers. Il y a des cognassiers et des noyers, beaucoup. Et en fait, ce noyer-là, il s'est semé tout seul. Et il y en a un autre aussi qui est avant la porte d'entrée là-bas. C'est pareil. Il y a un autre noyer. Donc je suis très contente. Même si ça va prendre énormément d'ampleur. Parce que les noyers, c'est quand même des arbres qui sont immenses quand ils sont grands. Mais bon, ça, ce sera dans 30 ans. Quoi. Donc dans 30 ans, je serai peut-être plus là. Enfin, peut-être plus là, pas parce que je serai morte. Mais peut-être que je serai plus en... J'espère, hein. Que je le serai et que je serai plus en résistance de rester là, je sais pas, on verra comment tout se goupira. Je me dis que j'ai 20 belles années à passer là, et puis après je verrai quand j'aurai 80 ans comment ça se passera, quoi. Donc parce que je vois par rapport à mes parents, hein, qui déclinent de jour en jour, donc je verrai s'ils me font un chemin digne de ce nom et que des secours peuvent arriver, je resterai là, hein, mais sinon on verra. Donc on va pas parler de ça, hein. Et on retourne à notre fruit comestible. Donc voilà, donc encore là, bien sûr, un pêché, il y a des, tout ça je l'ai acheté, lui je l'ai acheté, lui aussi, là c'est un feijoada. Alors ça, c'est, ça y était, c'est-à-dire qu'en fait il y a là une liane. Ah non, pas tout, tout n'y était pas, pardon. Il y a une vigne, elle y était, parce qu'en fait j'ai essayé de garder ce qu'il y avait sur le terrain. Et ici il y a beaucoup de vignes en fait, parce que c'était planté de vignes. Et un rosier qui est de mon ancienne maison, quand j'étais mariée avec le père de mes filles. C'est, je crois, le seul... Non, il y en a un autre qui a résisté et qui est aussi beau. Il est vraiment magnifique là, hein. Je l'ai fait grimper avec la vigne, et il faut que je l'accroche encore plus, quoi. Et d'ailleurs il y en a une autre aussi qui est là, qu'il faut que j'accroche, que j'ai acheté au Jardin des Merveilles, tiens, à Rémi du Jardin des Merveilles, et que je n'ai pas accroché. Et qu'il faut que je fasse, enfin, si elle était accrochée, mais ça s'est cassé, donc voilà, ça va jusque là-haut. Donc il est fort possible que je plante encore, hein, là, parce que j'avais essayé de planter dense, mais pas trop, mais là je vois que quand même, et puis il y en a qui meurent, quoi, hein. Là par exemple, ça c'est, doit être, d'ailleurs c'est étonnant, hein. C'est, je pense que ce doit être un pêcher que j'avais mis et qui est mort, mais après ici c'est tellement argilo-calcaire. Et là j'ai fait faire un trou pour pouvoir après y mettre de l'argile et faire une mare. Et là où vous voyez en fait tous ces petits piquets, c'est là où je vais faire ma cabane pour tout ce qui est le matériel d'apiculture, parce que pour l'instant je l'ai, hop, dans cette cabane là-bas qui est la cabane du jardin, du potager. Et ça fait beaucoup trop, donc il me faut vraiment une cabane, et c'est la plus près, parce que les abeilles sont là, le rucher est là, donc ce sera juste parfait. Maintenant, nous allons descendre. Nous allons descendre par là et arriver dans le jardin de la maison, entre guillemets. Ouais, quand on voit, regardez là, derrière moi, hop, vous voyez là, quand on voit toutes ces fleurs, on se dit que les abeilles, elles sont quand même bien.
Et encore, tout n'est pas fleuri là, hein, cette période-là. Hein. On n'est que le quoi, 20 avril, un truc comme ça. Donc il en reste encore un petit paquet, tout le mois de mai à fleurir et tout ça. Après, c'est vrai que ça décline énormément. Hein. Ici, c'est rare, on ne fait pas deux récoltes de miel. On n'en fait qu'une. Donc voilà, on arrive sur le... Hop, je suis allée un peu trop loin. Sur le terrain de la maison. Donc il va loin, loin, loin là-bas. Qui commence là. Il faut que je tonde. Là, il y a un lit en fer. On s'en sert en été. Là, c'est le coin où je stocke tout. Alors j'essaye de stocker le plus proprement possible, bien entassé et tout ça. Je vais sûrement réaménager ce coin là. Et normalement là-bas, en fait, il y avait toutes ces palettes puisque c'est le coin où je stocke le bois. Donc, mais comme en fait c'est des palettes qui étaient clouées les unes aux autres, voire avec des taquets qui les tenaient, qui tenaient les palettes, c'est vrai que ça... au bout de 2 ans, un grand coup de vent et puis on était bon quoi. Donc là je suis en train de fermer pour après mettre un petit portail là pour pouvoir avoir cet espace en fait, ce terrain de fermer parce que ben, j'aimerais bien avoir un chien de nouveau un jour hein. Ça c'est voilà, mais pour l'instant tant que c'est pas fermé je veux pas pour plusieurs raisons, parce que d'abord il y a la route qui passe là et puis j'ai pas envie qu'il vadrouille et il y a des chiens qui passent par ici. Donc je ne voudrais pas qu'il se fasse, qu'il aille avec d'autres chiens. Donc ne m'en voulez pas, il y a des choses un peu partout, parce qu'il y a des choses en attente. Donc on ne s'énerve pas. Là il y a un peu de stockage de bois et des cagettes, voilà. Et donc là on arrive, hop, tout ça c'est le potager. Donc je ne vais pas vous faire une vidéo potager, hein. Vous l'avez vu. Hop, je vais vous le montrer un peu. Je suis en train de faire les trous pour les tomates. Pour mettre les tomates. Donc là, vous voyez en fait, je ne sais pas si vous voyez toute la colonne là. En fait, c'est toutes les hausses pour les ruches. Et derrière le rideau, en fait, d'ailleurs, il faut que je fasse une porte. Mais bon, bref, le temps. Et derrière, il y a plein de... Il y a plein de boxes en plastique pour tout le matos en fait que j'ai. Donc, hop, on arrive là. C'est tout ce que j'ai débarrassé qui était dans le potager. On arrive derrière la maison. Que je suis contente parce que la semaine dernière, c'est la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais même plus. J'ai super bien nettoyé. C'est là normalement que je veux faire la serre. Alors ça, ce sera au départ une serre de semis. Mais après, ce sera surtout une orangerie. Alors, c'est pas très malin, mais c'est le seul endroit que je peux le faire. C'est pas très malin parce qu'en fait, on est au nord. Donc, mais bon, vu qu'il y a ces arbres-là et tout ça, je pense que... Ce que je veux faire, c'est que je veux vraiment faire un lieu tampon par rapport à au froid qui arrive de là et à la pluie. Voilà. Donc, hop, 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 on continue. Donc là, c'est le jardin. Voilà, voilà, on descend. Alors, je n'ai pas terminé. Il y a encore l'isolation de la yourte là. Je suis en train d'avancer là-dessus. Enfin, je suis en train. Ça fait un moment que c'est arrêté, mais bon, voilà. Je vais le terminer. Ne vous en faites pas. Ensuite, donc cette cuve, elle va aller un peu plus loin. Cette cuve, elle va sauter le grillage. Pas tout de suite, tout de suite. Hein. Je ferai ça en fin d'été, je pense. Elle va sauter le grillage, je vais la mettre là tout simplement parce que bon, ça c'est la paille qui va me servir pour la yourtère et là il y a de la terre d'ailleurs. Là à cet emplacement là je veux faire une salle de bain d'extérieur, c'est à dire qu'il y aura un lavabo et il y aura une douche, voilà, pas une baignoire puisque la baignoire elle est là-bas, je vous la montrerai. Et donc cette cuve, elle va aller là, assez haute. Après, on verra pour la pression, on verra comment on fera. Mais voilà, là, je veux qu'il y ait une sorte de salle de bain extérieure. Moi, j'adore ça. Donc, toujours là, le trop-plein de la cuve de récupération d'eau de pluie. Je suis en train d'essayer de planter des choses, mais bon. J'espère que ça va prendre. Et puis comme
comme il ne pleut pas, ça s'alimente pas. Donc, où est-ce qu'on va? Là, on va aller là. Donc là, c'est la partie. Alors là, on est pas tout à fait. On est aux trois quarts du terrain là, hein, du terrain de la maison. Pouf. On est venu de là, on est passé au potager. Là, c'est la maison. Pouf, pouf. Là, il y a la cuve. Et on arrive à l'ancienne yourte. Que je vais faire réaménager en yourtaire, quand je vous avais dit que j'avais ma baignoire là. Donc là c'est super parce qu'en fait il n'y a personne qui nous voit, c'est vraiment extra. Donc on continue. Après là-bas c'est le futur poulailler, bien sûr. Ça fait quoi, 4 ans que j'en parle de ça? Je sais pas, il faut que je finisse. Il faut que cette année là, avant septembre, ce soit terminé. Là, je dis, je vais faire. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On passe par là. Et hop. Donc on a la maison, là, on a le bassin. Là, c'est, vous le voyez, je vous le montre des fois, c'est le surplus du potager en fait que je mets là. C'est le deuxième potager, comme on peut dire. Si on peut dire ça comme ça. Les toilettes sèches. Juste à côté, bien sûr, les deux composteurs fermés. Parce que moi, pour qui dit toilettes sèches, dit composteur fermé, obligatoirement. Parce que les toilettes sèches en elles-mêmes ne sentent pas. Mais les composteurs ouverts, il y a toujours des animaux qui y vont. Moi, ça ne me plaît absolument pas. Donc, deux composteurs fermés. Un pour mettre les toilettes sèches du moment, et un dans lequel on puise. D'ailleurs, hop, je suis en train de puiser. Et ça, c'est un bidon qu'il y avait sur le terrain en fait, qui n'a pas de fond, et dans lequel je mets toutes mes feuilles, comme ça, ça fait un composteur à feuilles. Voilà, donc le petit coin. Et là, on arrive devant la maison, mais sûr, on n'a pas terminé encore l'allée, mais c'est pas mal encore. C'est bien, c'est bientôt. Il reste plus que ça et un petit peu derrière moi. Donc maison, hein, vous n'allez pas, on va pas, on va faire le tour de la maison comme ça, ouais, je pense. Oui, en fait là c'était l'ancien, ce que j'avais fait, un ancien potager, sauf que là en plein été, là on est en avril, hein, il est midi, le soleil il est là, mais en plein été le soleil il est là, quoi. Donc c'est pile poil là où il y en a. Donc j'ai planté des arbres, là c'est un pommier qui vient encore du Jardin des Merveilles. Ah, j'ai pas mal de trucs du Jardin des Merveilles, de chez Rémi, Monsieur Rémi Culic. Et donc celui-là je vais l'enlever, j'en ai un autre là, hop, que je n'ai pas planté, que j'enlèverai. J'ai l'impression que c'est un prunier plutôt. Donc j'ai planté, là-bas j'en ai planté, hop, où est-ce que je l'ai? Là. Là, c'est un poirier, toujours du Jardin des Merveilles. Et puis voilà, c'est en train de s'enherber. C'est en train d'avancer. Et ça, c'est toutes les boutures, tous les rejetons de l'artichaut que j'ai dans le potager, que je voulais enlever, que je ne suis pas encore arrivée à enlever parce qu'il est trop gros. Donc voilà. Donc là, c'est la cabane où je mets habituellement le bois, pas la cabane complète où il y a du bois. Là, pour l'instant, c'est un peu le bazar. Donc là, c'est tout ce que j'ai coupé. Normalement, le bois, il est là. Pouf, pouf, pouf. Jusque là, j'ai réussi à mettre des étagères. Là, il y a les vélos qu'il faut que je répare et que je fasse réparer parce que je peux pas tout faire. Là, c'est ma cabane. Alors là, c'est le bazar. Hein. D'habitude, elle est pas comme ça, mais voilà, c'est ma cabane à outils. Et voilà, là on est devant la maison, la maisonnette. Donc je rappelle aux gens, hein, ma maison elle fait, on dirait pas comme ça parce que de dehors elle fait grande, sauf qu'elle a des murs de entre 50 et 80 cm de large. Donc elle fait 20 mètres carrés en bas, et donc 20 mètres carrés, un peu plus de 20 mètres carrés en haut, parce qu'en fait les murs sont un tout petit peu plus fins. Mais voilà, ça fait à peu près 40 mètres carrés, plus la petite avancée, là c'est la terrasse. Et hop, là c'est le coin en fait où il y a le plus d'ombre en été. Et
Bon, alors ça c'est la cabane, enfin encore un truc là qu'il faut que je change. C'est la cabane avec les batteries. Là il y a les batteries, là il y a tout ce qui est le multiplus, l'inverteur et tout ça, le Victron. Donc voilà, là c'est là où normalement j'aurais dû déjà faire la terrasse d'été, que je n'ai pas encore fait. Donc je suis en train d'enlever, enfin je suis en train, voilà. J'étais en train d'enlever toute cette partie-là, parce que c'est un mur, puisqu'en fait ici, hop, on monte ça. Ici, ouais, là on le voit moins parce qu'il y a, il y a le noisetier. Alors le noisetier, je coupe les branches, mais pour l'instant je ne le fais pas mourir complètement. Pourquoi? Bon, même s'il est vraiment à côté du truc et un jour il va partir, quoi. Mais parce que pour l'instant je me sers des branches, donc je ne veux pas qu'il meure complètement. Donc tout là, en fait, de là, vous le voyez un peu, jusque là, il y avait un premier mur, puisqu'il y avait, comme je vous l'avais dit en fait déjà, jusque là, voilà, pouf, tout cet espace-là, là où je veux faire la terrasse d'été, c'était l'endroit où ma mère pense qu'il mettait le cheval. Et ensuite, là aussi, il y en avait un autre endroit qui est encore plus esquinté parce qu'il a dû tomber avant encore, ou peut-être il mettait le couchon ou un truc comme ça. Voilà. Donc ça c'est à déblayer. Vous voyez en fait, il y a quasiment plus de murs. Hein. Il y a vraiment des bouts de pierre et beaucoup de terre, quoi. Donc et au sol je retrouve encore des tuiles, quoi. Voilà. Donc là on est par rapport à la maison, on est sur le côté, là, l'entrée, la porte d'entrée est là. Et la terrasse est derrière là, voilà. Et là où je veux faire la serre, c'est là derrière, et où il y a le potager. Donc on continue. Ah, pas tout à fait terminé. Attention, il va y avoir une voiture. Ne me dites pas, c'est dommage, on entend les voitures. Oui, je sais, on entend les voitures. Mais franchement, moi, je ne les entends plus. Je suis super heureuse sur mon terrain. Et que les personnes qui disent ce genre de choses me montrent l'endroit où ils habitent. Hein? S'ils habitent en pleine forêt ou pas. À un moment donné, moi, je suis coupée déjà du monde. Je suis à 300, 400 mètres des prochaines habitations. Mais je suis très contente qu'il y ait une voie carrossable pas loin, quoi, aussi. À un moment donné, c'est pas... Donc, après ce petit coup de gueule, on a la maison là. Là, on vient de là-bas, en fait. Hein. Tout à l'heure, on a fait ça. On est passé par là. On était derrière la maison, on a été là-bas et on est revenu par là. Voilà, donc là, on est derrière. On est derrière la maison. On est vers le petit chemin qui descend. Là où je vais chercher des orties. De temps en temps, vous me voyez aller chercher des orties. Vous me voyez même sur le chemin. En fait, je vous ai fait des vidéos sur le chemin. En fait, hop, celui-là, il descend jusqu'à là. Et c'est là que je vais chercher les orties. Donc là, ce fouillis, là. En fait, ce fouillis, au départ, il y a quelques temps, c'était pas un fouillis. C'est là où je veux faire un potager. Quand il y a la canicule, c'est-à-dire que je mettrai des plantes là pour être sûr hein, que le jour où il y a la canicule, là au moins j'ai à manger. Voilà, parce que ici c'est l'endroit qui est le plus abrité pour l'instant, là où vous voyez du soleil, mais on est quasiment alors, en été, c'est le matin qu'il y a ce soleil là, et après il n'y a plus jusqu'à à peu près 16h ou un truc comme ça. Donc voilà, hop. Là, c'est pareil, hein, c'est un peu le Bronx, ne me faites pas la remarque, ah, là, là, c'est dégueulasse ce qu'elle a fait par terre. Je suis en train de le faire, donc je veux dire, les choses ne sont pas faites. Et là, à terme, j'aimerais y mettre une serre, mais une grosse serre avec des vitres en verre, quoi. C'est vraiment...
Je voulais y mettre une petite serre tunnel, mais franchement, ces histoires de plastique à changer, ça m'intéresse pas. Je veux essayer d'oublier tous les plastiques qui peuvent se dégrader, quoi. Voilà, donc on est revenu. Et puis voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont sur cette chaîne, celles qui sont sur cette chaîne depuis les chaînes anciennes, celles qui sont arrivées là maintenant, parce que ben, sans vous, la chaîne n'existerait pas. Hein. Je m'amuserais à faire des vidéos, mais s'il n'y a pas de partenariat, s'il n'y a pas entre guillemets de partenariat, s'il n'y a pas de... Allez, de partage entre les gens, c'est vrai que ça ne sert strictement à rien. Donc je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup à tous d'être là. C'est vraiment, c'est très agréable d'ailleurs les commentaires que vous pouvez mettre et tout ça. C'est vraiment chouette. Et je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Et si, ben, si cette vidéo vous a plu, voiture. Si cette vidéo vous a plu, ben, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, et puis de partager la vidéo ou d'autres vidéos hein, si vous trouvez que c'est intéressant. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse journée, ça fait trois merveilleuses journées. Hey, on en a pour la semaine. À très bientôt, bye bye.